Ça s'appelait ? Alors, ça s'appelle Ave Roma, c'est un chant rom, un hymne rom, qui m'a encore été transmis par les rois Gassan. Et voilà, donc du peuple nomade, les roms. Donc, même si là, c'est un dialecte qui se rapproche du roumain, c'est pas du roumain, c'est du rom. Merci. Avec plaisir. Et en fait, question, est-ce que tu sais jouer du tango ? Non, c'est pas demandé, on me demande souvent, mais je joue. Ouais, mais je comprends. Désolée. Et voilà. Merci bien. Alors, Liliberta, toutes ces langues, bulgare, rom, etc., etc., d'où ça te vient ? Et du coup, je parle souvent des Wargasand qui m'ont transmis toutes ces chansons en phonétique, parce qu'en fait, moi, je ne parle pas toutes ces langues. Et du coup, ce collectif de musiciens, la plupart d'entre eux se sont rencontrés dans les pays de l'Est et en voyageant, ils ont récolté des chants populaires sur leur route. Et quand ils sont revenus en France, et d'ailleurs dans d'autres pays où ils voyagent, ils organisent des ateliers en fait, où ils transmettent ces chants en phonétique à des personnes pour qu'on puisse chanter dans des telles langues qu'on ne parle pas forcément. Mais du coup, ils ont vraiment mis au point une phonétique qui est très précise pour qu'il n'y ait pas de... Enfin, le moins possible et qu'il n'y ait pas de déformation, on va dire, en fait, de la langue quand on la chante. Bon, bien sûr, ça peut arriver en fonction de comment on se la réapproprie, qu'il y ait des accents qui soient un peu... voilà, que ce ne soit pas absolument parfait, mais globalement, voilà, les personnes qui parlent ces langues reconnaissent vraiment ce qu'on chante, c'est super. Donc voilà, mais ce ne sont pas des langues que je parle, je chante juste quelques morceaux qui m'ont été transmis en phonétique. Donc voilà, par les Warga. Et cette phonétique, elle est parfaitement lisible par tout le monde. Oui, parce qu'elle est adaptée à l'alphabet,
c'est pas français, mais je veux dire notre alphabet ici en Occident, quoi. Okay. Parce que oui, effectivement, ça serait compliqué d'avoir. Enfin, voilà, on parle pas, on ne sait pas lire le cyrillique ou d'autres alphabets. Donc, voilà. Merci beaucoup, les Libertades. Merci beaucoup aussi.